Salut tout, on se retrouve pour une nouvelle bataille sur héros et généraux. Nous avons deux lignes à tenir avec deux blindés, pas d'APC, beaucoup de soldats en face, ce qui ne va pas m'empêcher d'aller capturer des 4 et placer quelques mines. Je pense que la moins dangereuse c'est B4 de ligne. Si idéalement on pouvait fermer D4, je pourrais camper au snipe à l'église et puis on serait bon. Ah, lui il est tout bleu. Est-ce qu'on... Bah on va partir du principe que nos alliés seront pas débiles et qu'ils fonceront pas sur les mines. Peut-être tort, hein, mais... On peut plus passer tellement moyennement. Il a réussi à désarmer ma mine à cette distance-là. Alors, ce que font souvent les ennemis, c'est qu'ils passent là. Tu vas pas la désarmer quand même. Ouais, esquive la mine en vélo, c'est facile. Et une là, par exemple. C'est un sniper, c'est possible qu'il ait réussi à toucher la mine, je sais pas trop. Visiblement, on a une voiture qui a fait une fin de course là-bas. Notre ordre est attaqué, mais... Je sais pas si on va pas défendre le pont. En théorie, je devrais two shot. Mais en pratique, je two shot pas. Alors que j'ai amélioré les balles pour être sûr de two shot. Il y a aussi un souci de distance, je crois. Et un souci de je sais pas quoi. Parce que franchement, j'explique pas le fait que je two shot pas normalement. Allez, roule. Bah, tu vas où tu veux, mais tu roules, on s'en fout. Mais quel neuneu. Si jamais il veut passer par le pont, il peut. Dans ce cas-là, juste pour aller pas les uns vers les autres. Est-ce qu'ils ont des APC? Ouais, donc ils vont peut-être chercher à en poser. Le truc, c'est que si je mets une mine là. Je suis à peu près sûr qu'il y a un type qui va rouler dessus, mais. Vu le nombre de soldats qui sont, si ça se trouve, il y a déjà un APC dans le coin. Non, c'était une moto. C'est parti. Peut-être devoir aller défendre l'église. On va prendre le tournant là. B4 est à nous, il y a du monde. Toucher deux différents. Hop, toi t'es mort. À l'abri, à l'abri. Ah mince, il y avait déjà un type dedans. Je croyais que j'étais sur la mitrailleuse, mais que j'étais pas au bon endroit. En fait, c'était bien pire que ça. Par contre, ils sont trop nuls. Il va falloir que quelqu'un roule sur mes mines un moment. Faudrait que je mène des mines entre D1 et D2 et entre B1 et B2 en fait pour être sûr qu'elle fasse effet un jour. Là j'aurais pu utiliser la mitrailleuse.
Aïe, ah, en tirant sur moi ou sur lui, je sais pas trop. On les a eu tous les deux. En vrai, c'est ce que je vais faire, hein. On va aller mettre des mines. Voilà, c'est pas forcément la meilleure direction. Par là plutôt. Entre BR et D2, plutôt comme ça. On n'aura pas de champ à traverser. Et on va même recroiser une route par là. Route qui mène à B1. Là, présentement, ils sont entre B4 et B3. Par contre, c'est très grand. Comment savoir par où ils vont passer? Probablement plus par la route, mais. Quel stade ils rejoignent la route depuis leur spawn? Sachant que pas forcément intéressant d'entrer à l'intérieur de la maison. S'ils ont des motos, ils risquent beaucoup d'esquiver le truc même sans le vouloir. Là, il y a un tournant, ça peut être un bon point aussi. On voit moins avec les buissons. En suivant la route, évidemment. Bon, je l'ai pas mis beaucoup bien centré, donc peut-être me jouer des tours. Et plus loin, vers B3. Donc s'ils viennent défendre B3, ils vont sûrement taper comme j'ai fait à peu près. Et s'ils partent de B3, par exemple avec ce véhicule-là. Peut-être prendre cette route. On va miser sur la discrétion des mines. Apparemment, ils vont pas jusqu'à l'église. Il y a deux APC qui sont sortis. Alors, j'ai pas la même arme mitrailleuse que tout à l'heure. Mais il y a personne pour l'instant. Il y a un APC là. Là, il y a un type. Je l'ai manqué. Ah, ça tue trop vite, hein. Je peux pas rivaliser même en cliquant le plus vite du monde. Ah, on peut espérer que mes mines fassent effet. Une ou deux. Faudrait qu'on gagne du terrain par contre. Pour que ça fasse vraiment effet. Est-ce que elles sont encore sur le pont? Certaines au moins. Yeah! Taylor mine un type. Élément de véhicule détruit. Véhicule détruit. Tralalilali. Me demande s'il est pas là le type. Et je suis tout seul et eux ils s'en fichent. Il y a un type qui m'a rejoint. Il est où? Il est peut-être collé à un mur genre derrière là et ça passe. Ou alors sur le toit ici, ça m'étonnerait. Et c'est bien ça, il était à un côté où normalement il n'y a rien. Normalement, il n'y a pas de. Normalement, on n'est pas dans le point. Mais comme on peut se coller suffisamment, ça compte comme être dans le point. Elle avait plus de balles. C'est pas la même. Je sais plus ce que c'est. 41. Je sais pas si c'est l'arme 41. Exactement. Si, je crois que c'est la même. Ah non, j'ai repris celle de base. On a perdu un peu l'église à un moment. Est-ce que je défends pas? Est-ce que je défendrai pas à l'église? Il y a un APC.
Une façon de respawn rapidement à l'église. Ah, on a eu B4. On a eu B4. J'ai une assistance. Ça m'est déjà arrivé d'avoir juste un fantassin sur une mine. C'était des mines que j'avais mis dans l'eau. Et à mon avis, le fantassin, il a fait comme moi une fois. Il a voulu tirer dans la mine dans l'eau. Sauf que si jamais vous voyez une mine ici qui est sous 10 cm d'eau et que vous tirez pile sur la mine, la balle, elle fait un truc bizarre. Elle tombe à partir du moment où elle arrive dans l'eau. Comme si elle touchait le sol au moment où elle touche la surface de l'eau. Donc il faut viser plus en avant et c'est d'autant plus compliqué de faire ça quand on est loin. Et donc moi je me suis mis beaucoup trop près pour faire ça et je suis mort par la mine. Et je pense qu'il y a un fantassin qui a fait la même chose. Et entre tuer un véhicule avec un soldat dedans et tuer un soldat dedans, niveau points, c'est quand même beaucoup moins rentable. Mais niveau efficacité sur la partie, c'est la même. Oh, j'ai glissé un dernier petit coup très haut. Il y a du genre. Non! Quand je suis arrivé au bout de mon chargeur, j'ai senti que c'était fichu. J'ai vu notre allié s'occuper du point plus en avant. J'ai fait Et peut-être que mes deux mines plus avancées serviront. Ouais. Ah, maintenant je me suis dit, non, il va prendre le pont. Alors, ouais. Très bien, très bien. On n'a pas pris mes mines. C'est déjà ça. Ah, pardon, je voulais pas te laisser le kill. Elle était sur moi. Et ma K-carabineur, là, faudrait que j'ai résistance aux dégâts. Parce que si j'avais résistance aux dégâts, je pense que je l'aurais. Bruh. En mitraillant un bon coup. Comme c'est un K-carabineur, il faut résistance aux dégâts avec au moins plus d'une étoile, je crois. Mais et pourquoi tu veux ramasser des gens alors qu'on est quasiment arrivé? Voilà. Tu veux jouer avec ma MG. Sauf que c'est moi qui gagne. Simplement, il n'y a personne qui arrive par là. Je sais pas s'ils sont tous dans la maison. Ou pas. Voilà. C'est nettoyé. Pas où ils sont les joueurs. Visiblement, il y en a un qui est au-dessus. J'ai même réussi à le ping. Allez, accroche ton arme. Attends qu'il reste de ce côté-là de la maison. Je ferai pas grand-chose. Ah, c'est dommage. Je l'avais vu et tout. Il a eu le temps de reculer et de me tirer dessus. Mais bon, c'est comme ça. On n'a plus de véhicule. On a utilisé les deux blindés, je sais pas qui. Ça se trouve, ils sont encore sur le terrain. Hein. L'avantage de conserver B4, c'est qu'on est sûr que l'église va pas tomber dans notre dos. Parce que B4 en étant très loin de l'église, si on essaye de reprendre B4, qu'on l'a pas et qu'ils prennent l'église,
On sera bien embêté. 3-2. T'as un truc de soin, soigne-toi, hein. Y'a un type là? Non, c'est juste des... Oh, il m'a eu d'abord. Si j'étais resté dans le coin, il serait venu, c'était dommage. Alors, l'église est tombée pendant que je tenais pas le point. Ah lui, non, je vais pas l'avoir. Ah, il s'est approché. Bah si, bah je l'aurais eu alors. Pas encore complètement perdu, je crois. Maintenant, on a complètement perdu le point. Ah, je peux difficilement tirer avec cette arme tout là-haut. Ah, ça va reprendre. Un type là-bas. Bonjour, la difficulté pour le toucher. Il est mort, non? Peut-être bien, peut-être pas. On s'en fiche. On va juste se poser là. Et défendre notre secteur, on va dire. Il y a beaucoup de monde partout, donc peut-être que c'est pas nécessaire que je défende mon secteur. Ça se bat juste de l'autre côté. Voilà, lui il a pris un petit tir dans la tête. Elle a disparu. L'avantage d'avoir deux MG, c'est que si je suis en train de recharger une ou que j'ai plus de balles et que je me fais surprendre par un allié, par un ennemi, en théorie au moins, je peux me permettre de zip, changer d'arme et le tour est joué. Vilaine moto! Bon, on a tout nettoyé, hein. J'ai cru que c'était un méchant. Et moi, je saute comme ça. Pas malin. J'ai un pack de soins. On va l'utiliser. On va dire que c'est pour monter mon XP de soigneur et débloquer le gros pack de soins. Ça le fait, non? Ou vous y croyez pas? Ça fait dip dip, mais je crois que c'est à D3 que... Heureusement, mon allié a été plus vif. Sinon, j'aurais peut-être laissé ma peau. D'ailleurs, on va swap pour le PPSH. Histoire d'avoir deux armes différentes. Apparemment, le PPSH marche bien aussi. Il est couché. Je viens de voir quelqu'un passer, il y a quelqu'un. Non, ils étaient pleins! J'aurais pu mitrailler en continu et toucher des gens. Il y a clairement un APC.
Je sais pas ce qu'il est devenu de la PC. Peut-être juste des véhicules blindés. Enfin, des véhicules plein de gens. Ah bah il est là. On va pouvoir comparer un peu le... Ouais, le truc de la MG42, elle est moins stable accroupie. J'imagine que levée, la différence est encore plus importante. Il y a vraiment un mec qui tire sur le type tout là-bas. C'est un type, je sais même pas si c'est un type. Je vois rien, moi. Parce qu'il voit. Visiblement, le type n'était pas derrière moi. Je trouve que les gens ils jouent beaucoup aux explosifs. Beaucoup plus que moi. Peut-être que c'est. S'il y a un type qui joue aux explosifs dans une escouade d'assaut, j'ai l'impression qu'il joue beaucoup parce qu'il en lance 3-4. Alors qu'en fait, ça change pas grand-chose. Peut-être un meilleur PPSH. C'est très similaire. Il était là, oula. Encore un, on va garder le PPSA. Ou alors cette arme, c'est quoi son... Un peu comme la MP34 en termes de stabilité. Pas le temps de me replier. Je l'ai pas vu le type. Je pense qu'il y en avait au moins deux. Je joue beaucoup avec le bonhomme à l'AMG et moins avec celui avec les mines, alors que j'essaye de d'équilibrer. Probablement parce que celui à l'AMG est quand même rudement efficace. Comparé aux deux autres Gugus. Enfin à l'autre Gugus. Et il m'en faudrait encore un qui fasse du soutien de blindé. Bah, d'accord qu'il n'y a pas d'APC. Oh, ça je prends. Est-ce que c'est la bonne? Non, celle qui tire des grosses balles, bon, on s'en fiche un peu. Je pourrais l'utiliser juste histoire de dire, regardez, j'ai monté mon ruban. Pardon, pousse-toi! Ah! On était chacun en train de tirer sur l'autre. Sauf que mon allié, il a perdu. Enfin, sur l'adversaire qui venait de l'autre côté. Enfin, on était chacun en train de tirer sur l'adversaire qui venait face à nous et pas dans notre dos. C'est plutôt logique jusque-là. On a perdu le commissariat, c'est une blague? Non, Détroit a été un moment. Sans propriétaire. Je me suis dit que peut-être c'était parce que quelqu'un là-bas. Je le cueille, c'est l'avance. Hop là. Avec 500 balles de MG, j'ai le temps avant de l'épuiser. Aïe aïe. Je sais pas qui tire d'où, mais. Ça m'a tiré dessus. Ah, je le vois. Je l'ai vu en tout cas. Est-ce qu'on peut s'allonger? Je pense qu'il est mort. Il y a un allié qui est en train de contourner le secteur pour l'avoir justement. Plus personne sur le toit. Est-ce qu'il y a un corps par terre? J'en vois pas. Là, il y a un corps par terre. Magnus, soigne-toi. D'ailleurs, il faut que je me soigne plus avec le avec les mines, pouvoir débloquer l'arme associée. Ou alors, au lieu de débloquer un pack de soins, on dit qu'il a des mines et des
et une clé à molette et pas de pack de soins. C'est quand même moins efficace. Idéalement, il faudrait qu'il ait une clé à molette et un pack de soins pour faire du soutien de blindé en fait. Et l'arme, j'ai pas encore statué sur l'arme idéale pour soutenir un blindé tout en étant capable. Ce genre de truc, ça peut marcher, mais je trouve ça tellement dur. Et déjà, regardez, c'est pas stable. Hein, je le vois trembler. Si j'essaie de tirer dans le petit. Disons que j'essaie de tirer la tête de la tombe. C'est encore proche, hein. Il se demande ce que je fais. Combien d'impact? Et il n'y a pas les impacts. Ou alors j'ai vraiment vraiment tout raté. Allez, il n'y a pas les impacts sur la tête de la tombe, exactement là où j'ai visé. Peut-être arrêter de s'entraîner, mais je trouve ça compliqué de rester focus sur un point. Et là, j'essaie de viser un carreau du mur, par exemple. Bon, je touche plutôt bien, hein, c'est pas mal, hein. Mais il y en a beaucoup, beaucoup de tirs qui vont trop Je pense que mon allié l'a tué. Ouais, c'est bien ça. Ils étaient que deux. Une moto, ça paraît logique. Apparemment, il y en a d'autres. La petite maisonnette là-bas. Comme on a pu le spawn de A, ils en profitent, hein. Je vois pas de gens, mais. Ah, il y a un APC. C'est pour ça qu'ils arrivaient de par là. J'aurais peut-être dû le rester dans la moto. Parce que lui, il va être toujours. À mon avis, il va coller aux fesses à la PC. Et écrabouiller quelques soldats qui descendraient. Non, la PC est loin. Il s'appelle Colly, non? Non, c'est pas Colly, c'est quelqu'un d'autre. Plus à passer, hop, c'est bon. Je sais pas où est passé la PC. Peut-être mort. Difficile de savoir. Peut-être ranger là-dedans aussi. Qui sait? Ah non, c'est un spawn à nous. On a la ligne E? Ah oui, on a la ligne E. D'ailleurs, on n'a pas le pont ici. Hop là. On va laisser notre allié sniper sans côté et rentrer au moins dans le point. Il semblait bien qu'il y avait un joueur qui était en train de tuer à l'arme anti-véhicule un de nos alliés. Allez, ça se récupère, moi je dis. Voilà, vous avez besoin de détruire un APC, vous m'appelez. On a eu le temps de tous respawn dans le coin. On devrait s'en sortir. Il n'y en a plus qu'un. Il y a un nouvel APC. Oh oh. On va aller checker qui s'est pas installé ici. Église 2 est perdue. Oula.
Je m'y attendais pas. Ah bah oui, c'est parce qu'on est tous venus de ce côté-là. Oh, je croyais qu'il était mort. Ouais, c'est bon, il est mort. J'ai eu les deux. Lève-toi, lève-toi. Plutôt que de prendre un PPSH, on va se soigner en avançant. Je sais pas où ils sont, je vois personne dans les hauts points. Oh, faut que je recharge. Encore une moto qui arrive. Je le vois mal avec toutes ces herbes. Bon, on va pas insister, je pense que j'aurai vraiment beaucoup de mal à le. À l'affronter, on va pas ramasser cette arme. Je trouve qu'elle est trop mauvaise là, par rapport à la mienne. Ah, il s'est pointé de l'autre côté. Et il m'a eu. On a un APC qui approche plus ou moins là où il faut. Non, il y en avait encore un derrière moi. Oh. Ah, on reprend l'église, ok. J'y fonce. J'y fonce, Alphonse. Ah ouais, alors lui. Je crois pas que ce soit son assistance que j'ai eue. On voit les... Je crois qu'on voit les balles du PPSH. Ouais, on les voit. Non, mais cette chance. Tire à la tête directement. Bon, j'étais accroupi, donc ça favorise les tirs à la tête, mais quand même. Ah. Ils ont pas tellement fait jouer mes mines, hein. Bon, il y en avait qu'une sur le pont. Il y en a plein. Là. Enfin, après le pont, plus exactement. C'était bien un allié qui est en train de me tirer. Ils sont tous au même endroit. Et de l'autre côté, il y a des mines dans la petite rivière. Enfin, ils s'appellent ça des petites rivières, mais. Vous voyez deux mines en bas de ma carte, en bas à droite de ma carte. C'est ça dont je parle. Je vois pas de gens. Il y en a un qui est là-haut. Ok. Respirons. Voilà, c'est le bon moment pour recharger, je crois. Lui, il a vraiment choisi son moment. Hop, on s'accroche. Tellement, faut pas que je me fasse tuer pour qu'on puisse capturer le point. Je sais pas s'il y a un APC ou quoi que ce soit, mais vraiment. Apparemment, on est en train de perdre. Je comprends pas tellement comment ça se fait. C'est-à-dire, ils arrivent pas du point B. B4, clairement. On est en train de recapturer. On va dire qu'ils vont recapturer. Ouais, ça a l'air de se passer. Je pense qu'il va prendre le vélo. Ah! C'est Panther. Panther. Et on peut poser là ou pas? Ouais, elle. Ah, il y a un seul adversaire et il prend. Il s'est fait tuer. Si on peut les empêcher de capturer. Je sens qu'ils sont plus nombreux à pop là maintenant. Ah, on peut recapturer. Je sais pas, notre allié a probablement pas spot la PC qui est en train d'arriver.
pas par où il passe. Là. Ah, mince. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il est monté là, d'accord. Je pige. Ah, on peut plus spawn en... Oh là là. Terrible. Hein. C'est dur. Ils ont beaucoup moins de véhicules, mais... Beaucoup moins de trucs divers et variés. Voilà. Il a sauté, donc ça m'a laissé un peu plus de temps pour lui tirer dessus. Quand il est retombé. Brrr. J'ai même pas réussi à le toucher alors que j'ai vraiment tiré entre sa gauche et sa droite, hein, franchement. Ce serait bien qu'on arrive à close une ligne, mais à mon avis, ça va être dur. O2 est en train de retomber pour nous. C'est une bonne nouvelle, il y a eu 3 tirs à la tête en même temps. La liste des kills, c'était impressionnant. Je sais pas s'il y a 3 fantassins qui sont passés en même temps. C'est probablement que ils sont passés à 3 endroits différents. Ok, bon, on va pas se galérer avec le véhicule, on va l'abandonner. Je ne l'ai pas vu, mais comme il est vert soviétique, enfin jaune moche, jaune vert moche, il m'a eu. Ah ouais, d'accord, il y en a plusieurs. Pas d'où qu'ils sortent, mais. Tout cas, ils ne sortent plus. German Uzi. C'est une arme beaucoup plus récente, le Uzi, je crois. Il est passé là. Tellement fort d'arriver derrière les gens et de faire. Ah bah t'es mort. Il y a un type qui me tire dessus de genre là-bas. Ah, c'est bien ça, hein. Voilà. On va recharger cette arme aussi. On est tard, ce serait bien qu'on gagne, hein. Rien. Ah non! J'étais caché et là, paf. Je suis assez bien classé, 1200 de score, c'est assez impressionnant en guerre, je trouve. À moins d'être d'avoir campé dans un blindé toute la partie. Dans ce cas-là, il y a moyen de faire beaucoup avec les kills de véhicule, les trucs comme ça. Voilà, j'étais sûr qu'il allait revenir au même endroit pour refaire exactement la même chose. Par contre, il y en a un deuxième. Et voilà. C'était quoi leurs armes? PPT, TRD. Ça doit être fort dans la mesure où tu croises un véhicule ennemi avec des fantassins dedans. D'ailleurs, il y a des gens qui font ça. Paf, tu le PTRD. Ouais, sauf que j'ai raté. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais visiblement, j'ai pas fait les dégâts qu'il fallait. J'aurais dû m'allonger à la MG et l'attendre. Plutôt que de tenter cette action risquée. Bon, nombre de fantassins, on gagne.
Sur le front, ils ont des renforts qui arrivent pas nous. Ça va plus probablement se jouer à le premier qui arrive à capturer les deux objectifs. Sont costauds ces véhicules. Truc de fou. La moto, il en fallait moins. Trois types qui sont rentrés. On est en train de capturer l'église. C'est une bonne nouvelle. Apparemment, on a suffisamment d'alliés qui restent. On va les pousser, nous. J'ai encore suffisamment de balles dans mon chargeur pour tuer 8 ennemis si je me débrouille bien. Théorie, il y a 4 balles par ennemi, ça peut. Je peux en avoir un bon stock, mais. En pratique, j'ai tendance à en gâcher un peu plus, profitant du fait que justement j'en ai plein. Voilà. Bon, on va dire que. Peut-être repéré. Je crois que j'ai vu un APC. J'aurais bien monté Magnus. 46 kills, c'est pas mal. Si jamais j'étais un pro, j'aurais fait 64 kills. Apparemment, c'est ça ce que font les pros, hein. Oh. Oh oh oh. Ah ouais, non, mais si j'arrive plus à rentrer, ça va être la mort. La mort de la mort de la mort. Donc soit il y a un allié qui arrive à rentrer et qui déloge un ennemi, disons. C'est chaud. Encore une mine. Une grenade plutôt. On va ramasser cette arme. Des gens qui rentrent, je sais pas par où. Est-ce que on peut poser l'arme? Ouais. J'ai peur de prendre le barreau, apparemment non. Si je vais me cacher, je me mets comme ça. Si je vais pas me cacher, je me mets comme ça. Par contre, moi, je vois plus. Voilà, toi, t'es mort. Ah, j'ai ramassé le PSPPP SH et il s'est mis dans ma barre d'inventaire. Inventaire auquel je ne peux pas accéder, évidemment. Un type qui vient de passer là. Elle tire beaucoup moins vite, celle-là. Ah, j'aurais dû prendre ma MG. Avec ma MG, je pense que j'aurais pu bouger un peu plus et il m'aurait pas tué. Et 68, ils font pas le même nombre de kills. Alors, ils peuvent pas capturer, mais. Ah, ils repeuvent. Voilà, bon, ça prend 2 secondes de se faire 15 points de plus, donc je prends.
Il a eu le temps de tirer une balle. Pauvre bonhomme. Yeah! Et ben finalement, c'est nous qui l'avons emporté. J'aurais pas crié victoire dès le début. C'était une partie longue mais très chouette.